وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous poursuivons cette série de cours sur une explication succincte de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va lire les quelques versets qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Donc, dans le sens des versets en français, certes, Allah n'a pas honte de citer en parabole un moustique ou quelque chose de plus grand ou même plus petit que le moustique. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala dit cela? Car les détracteurs du Coran disaient qu'est-ce que c'est ce Coran? Il nous donne des exemples avec des choses, avec des moustiques, avec des animaux, avec des insectes. C'est comme s'ils ont voulu par cela rabaisser le Coran et rabaisser ce message. Et Allah tabaraka wa ta'ala a voulu par cela leur affirmer qu'Allah fait ce qu'il veut. Et que s'il a voulu donner comme exemple un moustique ou parfois autre chose de plus grand ou de plus petit, c'est qu'il y a une sagesse derrière cela. Les exemples et les paraboles qu'il y a dans le Coran, c'est une manière qu'Allah tabaraka wa ta'ala a utilisée pour attirer l'attention des gens et pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Et souvent, l'être humain, même un professeur, quand il donne un cours, il donne un exemple. Il donne des exemples pour que le cours soit bien compris. Et pour que la personne s'imagine la réalité de la chose. Donc Allah tabaraka ta'ala donne aussi, cite des paraboles. Et il y a une sagesse en cela, et il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc quand Allah tabaraka ta'ala cite des paraboles, il y a deux comportements. Le comportement du croyant et le comportement du mécréant, du pervers. Donc Allah Ta'ala dit, quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils disent, «
Qu'a voulu dire Allah par une telle parabole, en se moquant ? C'est-à-dire, il n'y a que ça comme parabole à faire. Donc les croyants qu'ils comprennent l'exemple qu'il y a dedans et la sagesse qu'il y a dedans, alhamdulillah, cela leur rajoute de la foi sur leur foi. Et s'ils ne la comprennent pas, alors ils en comprennent le sens apparent et ils se soumettent à ce qu'Allah a révélé. Ils disent c'est la vérité venant de notre Seigneur, quoi qu'il en soit. Amma, l'infidèle, il se moque. Ah, vous avez trouvé que ça à donner comme exemple ? Qu'est-ce que c'est que cet exemple ? Qu'est-ce qu'il a voulu par là comme exemple ? Vous comprenez, c'est min bab al-istihza, il se moque. Que veut dire cet exemple ? C'est pas que veut dire, ils ne comprennent pas, ils posent la question pour comprendre. Non, ils ne veulent pas comprendre, ils se moquent. Et Allah, tabaraka ta'ala, comme il dit ici, par cela, donc par ces paraboles-là, par ces versets qu'Allah ta'ala révèle, dans lesquels il y a des sagesses et des règles, il égare un bon nombre de gens, et nombreux sont ceux qu'il guide. Mais il n'égare par cela que les fasiqin. Al-fasiqin, les pervers, les rebelles. Effectivement, Allah tabaraka ta'ala n'égare pas une personne qui ne mérite pas d'être égarée. Allah ta'ala a laissé le libre choix à chacun. Mais si la personne fait un mauvais choix, Allah lui rajoute de l'égarement sur son égarement. Comme cela, ils se sont moqués des versets, ils se sont moqués des paraboles d'Allah, Allah il leur a rajouté de l'égarement. Et il les a égarés, car ils ne se sont pas soumis à ce qu'Allah ta'ala a voulu. Les croyants, ils se sont soumis, ils ont dit avec leur cœur et avec leur langue, ceci est la vérité provenant de la part de notre Seigneur, Allah leur a rajouté de la guider sur leur guidée. Et ils n'égarent par cela que « al-fasiqin ». Le fisc, la perversité, elle est de deux catégories. La perversité qui sort de l'islam, qui est une grande perversité, et une perversité mineure qui ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam. Comme l'exemple où Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu »« Oh, vous qui avez cru, si un fasiq, si un pervers vous vient avec une nouvelle, alors éclaircissez bien la chose. » Le pervers dont Allah parle dans ce deuxième verset, ça peut être le kafir, mais pas seulement. C'est-à-dire que ce soit un mécréant ou un musulman pervers. Quelqu'un qui ne vérifie pas ses informations, ou quelqu'un qui colporte, ou qui ment, ou bien qui fait de la calomnie, ou bien qui n'est pas strict dans ce qu'il rapporte, ou il n'a pas de témoignage quand il accuse quelqu'un. Donc ça, c'est un pervers. Donc la perversité dont Allah Ta'ala parle ici, il n'égare par cela que les pervers. Là, ici, il parle des koufars. Car leur perversité a atteint le degré de se moquer des signes d'Allah et des versets d'Allah. Et de s'en écarter, et de les traiter de mensonges. Et ceci, un croyant ne le fait pas. Celui qui fait cela, il n'est plus croyant. Non. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit, en parlant de ces pervers, de ces dévoyés, « Alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqih, wa yaqata'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard, ulaika humul khasirun. » Ce sont ceux qui défont le pacte d'Allah. Le pacte, Allah tabaraka wa ta'ala ici, il l'a imagé comme un nœud, comme une chose sur laquelle on s'est mis d'accord, on l'a serré, bien noué. C'est un pacte noué, c'est pour ça on dit nouer un pacte. Alors eux, ils ont fait quoi ? Ils sont venus, ils ont dénoué ce pacte. Et ils ont dénoncé ce pacte. Ceux qui défont le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, donc rompent ce qu'Allah a ordonné de lier. Et sème le désordre sur terre, ceux-là sont les vrais perdants. Ceux qui défont le pacte qu'ils ont eu avec Allah, quel est ce pacte ? Allah, tabaraka wa ta'ala, il a pris un pacte sur tous les Bani Adam, tous les fils d'Adam. Quand Allah, tabaraka wa ta'ala, il a sorti la descendance de Adam de son dos, il les a fait attester. Ne suis-je pas votre Seigneur et Maître, celui qui mérite d'être adoré ? Donc ceux-là qui défont ce pacte, c'est-à-dire qu'ils adorent avec Allah une autre divinité ou qu'ils ne l'adorent pas. Voilà les pervers dont Allah parle ici. Et qui rompent les liens qu'Allah a ordonné de lier. Quels sont ces liens ? En ce qui concerne premièrement la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le fait d'appliquer le tawhid et le fait de s'attacher à la religion d'Allah. Ce lien qui est obligatoire. Puis, l'application de ce qu'Allah a destiné et a décrété comme règle pour l'être humain, que ce soit dans sa croyance, que ce soit dans ses adorations, que ce soit dans sa vie commune,
dans sa vie en général. Donc ça, c'est un pacte. Ce sont des liens qu'Allah a ordonné de lier, de nouer, de se lier avec les règles d'Allah et de les mettre en pratique, contrairement à ceux qui les rompent. De même, le fait de tenir les liens qui nous lient au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du fait de l'aimer, du fait de le respecter, du fait de lui obéir, du fait de défendre sa sunna, du fait de s'attacher à ses ordres, etc. De même, les liens qu'Allah a ordonné de lier, les liens de parenté, les liens familiaux, c'est-à-dire les parents, les oncles et tantes, les frères, les sœurs, les enfants, et aussi les liens en général qu'Allah a ordonné de nouer et de lier, que ce soit le bon voisinage, ou bien les liens qui nous lient à nos compagnons, que ce soit nos compagnons de route ou nos compagnons de travail. Allah Ta'ala a donné un droit et des règles dans les liens à lier dans chaque chose. Donc ceux-là, les pervers, ceux qui corrompent sur terre, ce sont ceux qui ne respectent pas ces liens. Et ce sont ceux qui ne respectent pas ses engagements. Car le musulman, il tient ses engagements et les liens qui le lient avec les gens. Que ces engagements-là, il les ait envers Allah Ta'ala, envers son livre, envers son messager, puis après envers les gens, que ce soit ses parents, que ses parents soient des musulmans ou des mécréants, il a des liens à voir avec eux, avec ses frères, ses sœurs, ses oncles, etc., ses voisins, les gens avec qui il travaille, même l'endroit dans lequel il vit. Et subhanallah, ce verset, il nous rappelle le meilleur exemple de ce qui s'est passé dernièrement. Ces gens-là qui ne respectent pas les engagements. L'engagement d'assurer la sécurité aux gens avec qui ils vivent et chez qui ils vivent. Ça, c'est un engagement que le musulman, il est dans l'obligation de respecter. On l'a cité dans le Jumu'ah, pour ceux qui ont raté le Jumu'ah, comme l'imam Shafi'i a dit dans l'Oum, il a dit, même un pays mécréant en guerre donne la sécurité à un musulman, il est dans l'obligation de lui rendre la réciproque la sécurité, obligatoirement. Il a dit, je ne connais pas de divergence sur ce sujet. Ça, on parle même s'il était en guerre. On ne parle pas alors s'il était en paix ou si lui-même c'est un citoyen de ce pays ou bien il a une carte de résidence du pays. C'est encore une autre histoire. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin d'en parler. Non. Et Allah Ta'ala dit, ces gens-là justement qui ne lient pas les liens, qui ne donnent pas les droits, qui ne connaissent pas à chacun son droit, qu'est-ce qu'il a dit d'eux, Allah Tabaraka wa Ta'ala ? Ils rompent les liens qu'Allah a ordonné de lier. Et il sème la corruption et le désordre sur terre. Donc rompre les liens en lui-même, c'est déjà semer la corruption et mettre le désordre. Et ce sont ces gens-là qui rompent les liens, qui sèment le désordre sur terre et la corruption sur terre. Alors qu'Allah a interdit de semer la corruption sur terre et Allah n'aime pas la corruption et le désordre. Mais il aime l'ordre et la justice, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a révélé le Coran et il a révélé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont l'ordre et la justice. Naam. Oulaika humul khasirun. Ceux-là sont les vrais perdants. Pourquoi ici Allah Ta'ala n'a pas cité une forme de perte? Par exemple, ceux qui ont perdu dans l'au-delà ou bien ceux qui ont perdu leurs actions. Il a juste laissé comme ça, général. Ce sont ceux-là les perdants. Pourquoi? Car, en fait, ils sont perdants sur tous les plans. Ils ont perdu dans ce monde. Car ils n'ont pas appliqué ce pourquoi ils sont dans ce monde. Ils n'ont pas adoré leur Seigneur, l'objectif pour lequel ils ont été créés. Donc, ils ont perdu. Dans ce monde, ils ont perdu déjà. Et ils ont perdu du fait qu'ils ne trouveront jamais la paix et la tranquillité dans ce monde. Du fait qu'ils ne veulent pas être des serviteurs d'Allah. Et ils veulent être des serviteurs de Shaitan et de leur passion. Donc, ils ont déjà perdu en ce monde. Puis, ils ont perdu au moment de la mort. Et ils perdront dans la tombe avec les châtiments qui les attendent. Et la grande perte qui sera yawm al-qiyamah, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, les vrais perdants sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes ainsi que leur famille le jour du jugement dernier. Voilà ceux qui sont dans une perdition évidente. Non. Celui qui a perdu le jour du jugement. Vous croyez c'est comme celui qui perd dans ce monde, il a perdu un commerce, où il a perdu une bonne affaire, où il a perdu un peu d'argent, ou même il a perdu la santé. Tout cela, ce n'est rien par rapport à la perte éternelle du jour du jugement dernier. De même que tous les plaisirs et les délices ici ne sont rien
par rapport à la réussite éternelle du jour du jugement dernier. Donc voilà comment Allah les a définis cela. Ceux qui défont le pacte avec Allah, qui rompent les liens qu'Allah a ordonné de lier, qui corrompent sur terre, et ce sont ceux-là les vrais perdants. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Dans le sens des versets, comment pouvez-vous renier Allah ou mécroire en Allah, considérant qu'il vous a donné la vie alors que vous étiez inexistant, puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin c'est à lui que vous retournerez. Ici, la question, quand Allah Ta'ala dit comment, en français aussi cela existe, tu poses une question pour montrer la bêtise de la personne qui ne pratique pas cela. Comment peux-tu faire cela? Tu dis à quelqu'un, comment peux-tu faire cela? Dans le sens, c'est impossible de faire cela. C'est inimaginable. Ici, c'est une question dans le sens du blâme et dans le sens de la critique, et non pas une question dans le sens où Allah Ta'ala veut une réponse. Non, c'est un blâme. Comment pouvez-vous faire cela? Donc, comment pouvez-vous renier Allah? Comment vous pouvez mécroire en lui et être infidèle envers lui, subhanahu wa ta'ala, alors que vous considérez que c'est lui qui vous a donné la vie alors que vous étiez inexistant? Et effectivement, Allah ta'ala, c'est lui qui a donné la vie à toute chose. Subhanahu wa ta'ala, Allah, il a toujours été. Allah ta'ala, il n'a pas de début. Il a toujours été. Et c'est lui qui a créé la vie. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis il s'est établi sur le trône, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui a créé l'être humain. Puis, c'est lui qui nous fera mourir. Personne d'entre les êtres humains ne connaît sa date de mort. Allah ta'ala a écrit cela dans son livre. Puis il a écrit cela aussi avec l'ange qu'il envoie au moment où le souffle de la vie, ou bien l'âme, est insufflé dans le corps de cet enfant, à 4 mois, quand il est dans le ventre de sa mère. Et il lui écrit sa subsistance, ses actes, combien de temps il va vivre, et aussi, est-ce qu'il va faire partie des gens du paradis ou bien de l'enfer? Est-ce qu'il fera partie des bienheureux ou des malheureux? Donc Allah tabaraka wa ta'ala, quand le terme arrive, la personne, elle part, par quelle cause que ce soit. Allah Ta'ala, il a fait qu'il est malade, ou bien il dort, il ne se réveille pas, ou bien, Allah Ta'ala choisit la cause qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Mais quoi qu'il en soit, il a déterminé le terme de chaque chose. Chaque chose a son terme. Comment les gens, ils peuvent mécroire en Allah, alors que c'est lui qui leur a donné la vie? Il n'était rien. L'être humain, il n'était rien. N'est-il pas venu un moment dans les étapes de l'être humain, il n'était même pas quelque chose d'énonçable? Rien. Aujourd'hui, il lève la tête. Puis Allah, il va le faire mourir. Puis Allah va le faire revivre. La résurrection. Et tous les prophètes sont venus rappeler cela. Tout le monde sera ressuscité et debout pour le jugement du jour dernier, devant Allah, tabarak wa ta'ala. Et vous retournerez à lui. C'est pour cela que l'on dit quand une personne décède ou quand un malheur nous touche, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que se fera notre retour. Un malheur te touche, tu te rappelles. Tu dis subhanallah, on appartient à Allah. De toute façon, on va lui retourner. Donc c'est rien. C'est quoi ce qui m'arrive? Je vais retourner chez Allah. Bientôt, je vais retourner. J'ai perdu quelque chose, alhamdoulilah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. J'ai perdu un proche, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. J'ai eu des difficultés, des malheurs, des maladies. J'appartiens à Allah, bientôt je vais y retourner. Cette vie-là en entier, on va la voir comme une matinée, comme rien. Un moment de la journée. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran. Ça va être ce que vont dire les gens le jour du jugement dernier. On est resté sur terre, sa'atam min nahar. Un moment d'une journée. Comment quelqu'un il peut vendre l'au-delà éternel, la réussite éternelle, le bonheur éternel contre un moment d'une journée qui n'a pas de valeur, où tout est manquant et diminué dans cette vie? Mais pourtant, des gens, ils ont fait ce choix. Comme Allah Ta'ala dit ici,
Comment pouvez-vous renier Allah, considérant qu'il vous a donné la vie, alors que vous étiez inexistant, puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre le jour de la résurrection, et enfin, c'est à lui que vous retournerez. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala dit, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Donc dans le sens, c'est lui, c'est-à-dire Allah Ta'ala, qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre, puis s'est dirigé vers le ciel. Et on a fait sept cieux et il est l'omniscient, subhanahu wa ta'ala. Ce verset est un fondement essentiel dans les règles de jurisprudence, les règles religieuses. Quel est ce fondement? Que tout ce qu'il y a sur terre est halal, jusqu'à preuve du contraire. Quand Allah Ta'ala dit, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre, sous-entendu, tout ce qu'il y a de bon sur terre. Donc, le mauvais et le mal en est exclu. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit, les bonnes choses vous sont rendues licites et les mauvaises choses vous sont rendues illicites. Donc, quand Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre, cette règle, elle est essentielle. Car regardez, sur terre, il y a combien de sortes de végétaux? Combien de sortes de produits, de liquides, d'insectes ou je ne sais quoi, ou d'animaux, n'est-ce pas? S'il fallait pour chacune de ces sortes de produits qu'on a aujourd'hui, par exemple de fruits ou d'aliments, un verset ou un hadith pour dire qu'il est halal, imaginez-vous. Mais Allah tabaraka ta'ala a donné la règle de base. Tout ce qui est pur, c'est halal. Tout ce dont son effet néfaste ou son impureté n'est pas avéré, son statut d'illicite, il n'est pas avéré par les textes, c'est halal. Ou bien du fait qu'il soit nuisible, même par la science. Si c'est prouvé par la science que c'est nuisible pour l'être humain, ça devient haram. Car ça rentre dans les versets où Allah Ta'ala dit qu'il nous a rendu licites les bonnes choses et illicites les mauvaises choses. Donc, à la base, tout est halal. Dans les choses de la vie, dans la nourriture, dans les habillements, dans les produits qu'on utilise, par exemple coton, viscose, je ne sais quoi, polyester. Par exemple, quelqu'un pourrait se demander, quelle est la preuve que le polyester c'est halal? Quelle est la preuve que le coton ou la viscose c'est halal? C'est ce verset. Et d'autres. Mais entre autres, ce verset. Tout ce qu'il y a sur terre, pour vous. D'où cette règle de base. Dans les choses mondaines, dans ce qui est créé, dans les produits, dans les choses de la vie, tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Mais dans les adorations, dans les actes de dévotion, tout est haram jusqu'à preuve du contraire. Donc dans les choses de la vie, c'est à la personne qui vient te dire que cette chose n'est pas bonne d'amener la preuve. Alors que dans les adorations et dans les actes de dévotion, il n'est permis à personne de faire un pas, un geste, une parole sans une preuve. Donc dans l'adoration, il n'est pas permis à quelqu'un, par exemple, d'agir et après de demander. Non. D'ailleurs, dans toute chose, la science avant la parole et les actes. Toute chose qu'il veut faire, il demande. Comme ça, il est, alhamdoulilah, il ne fait pas un pas sans savoir quel est l'ordre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce pas-là. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. La personne, elle fait tout. Elle fait des contrats, elle a tout fait. Elle est dans la difficulté, après elle vient de voir, oui j'ai fait ça, est-ce que c'est halal? Comment maintenant je fais? C'est-à-dire en gros, débrouille-toi avec mon problème. Je me suis mis dans les problèmes tout seul, maintenant je te jette ça dans les bras, débrouille-toi, trouve-moi un moyen de m'en sortir. Non mon frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont été en bataille, ils ont dit à quelqu'un qu'il ne pouvait pas faire le tayammum, ils lui ont demandé de faire le ghusl, il est mort parce qu'il était blessé à la tête. Quand ils sont rentrés, il lui a dit, ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Pourquoi n'ont-ils pas demandé au moment où ils étaient ignorants? Car la guérison de l'ignorance est la question. Donc ça, c'est la première partie du verset. La deuxième partie, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. ثُمَّ اسْتَوَى,
elle vient dans le Coran avec trois sens différents. Ou bien il est cité seul. Donc il n'y a pas ila et il n'y a pas ala avec. Ou bien le verbe il est cité avec ala. Comme dans sa parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Ar-Rahmanu ala al-Arshistawa. D'accord ? Puis, il peut être cité avec ila. Thumma stawa ila sama. Ça a un troisième sens. L'imam Sa'di ici explique dans son tafsir les trois sens différents. Dans le Coran, il dit dans le Coran, istawa, il vient avec trois sens différents selon comment il est cité. S'il est cité seul, cela vient dans le sens qu'il est devenu fort et il s'est complété. Il a atteint la perfection. Là, il parlait de Moussa, alayhi salat wa salam. C'est-à-dire quand il a atteint son plein âge, il est devenu fort. Et il a atteint la perfection dans sa force. Quand il vient dans le deuxième sens, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ou bien الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى, cela vient dans le sens qu'il s'est élevé au-dessus. Comme ici, Allah s'est élevé au-dessus du trône. D'une manière qui lui incombe, subhanahu wa ta'ala, comme il nous l'a évoqué. Et aussi ici dans le verset, en parlant des hommes, pour que vous vous éleviez au-dessus de leur dos, c'est-à-dire les montures, pour s'asseoir au-dessus des montures. Donc à chaque fois que Istawa il est cité avec Ala, c'est dans le sens de s'élever au-dessus. Et ici, comme dans ce verset, quand il est cité avec Ila, Thumma Istawa Ila Sama, ça c'est dans le sens, il s'est dirigé ou il a voulu créer les ciels après cela. C'est-à-dire, il a fait une chose, puis il s'est dirigé vers le fait de créer le ciel. Donc, c'est pour ça que dans ce verset, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ, c'est-à-dire, puis il s'est dirigé vers la création du ciel. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Et il les a établis en sept cieux, et c'est lui qui est connaisseur, subhanahu wa ta'ala, omniscient, connaisseur de toutes choses. Souvent, quand Allah tabaraka wa ta'ala cite la création, ou ce qu'il a créé avec perfection, subhanahu wa ta'ala, il cite aussi sa science en même temps. Comme dans sa parole, ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui, al-latif, al-khabir, le parfait connaisseur, subhanahu wa ta'ala. Car Allah tabaraka wa ta'ala, il ne crée pas sans science. Toute chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala crée, c'est pour une sagesse. Et c'est avec science. Et pas par ignorance. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa qur rabbi zidni ilma.